Chers téléspectateurs, nous saluez-nous et c'est un plaisir encore une fois pour nous rejoindre sur le plateau. Avec nous, coach Toto Beauvais et de Little Harry Supreme FC et directeur technique. Toto, Little Harry en finale face à Colo Colo, comment l'équipe là? On a profité de saluer tous les spectateurs, ainsi que Libéral qui a fait un travail d'arracher. Ça, c'est Herbie Richemont. Herbie Richemont, excusez. Quand il est de National Galaxy, etc. Merci. Il a travaillé avec le début Haïti. Il a une finalité avec eux. Et il a dit que nous avons été d'emblée. C'est un beau travail. Et nous, les boys, on travaille là dans pile monde, en pile main. Et nous ajoutons ce travail-là avec des entraîneurs d'expérience, de calibre, pour nous abaisser à avancer. Quand on dit que nous arrivons là, c'est tout le monde qui met dans l'appartement. Nous nous devons jouer mieux plus, nous n'avons pas ajusté. Par exemple, le coach Gani, le coach James, le coach Peter, le coach Emile. Et nous faisons fusion avec nous, le coach par exemple, le Ghana, le coach Pouffon. Même comme nous disons, peut-être une capsule pour la première là. Et nous pensons que ce contrat va être perdu. Mais nous, il ici, M. Télaï a accueilli nous. Le président académie, pourquoi pas tout ce staff là, Maxime Pierre, Moïse de Ivoire. Et Gomez Lalo, qui est chez moi, nous, et puis nous avons un plan de travail avec Sarbano comme programme. Nous avons bien élaboré, bien défini. Il y a plusieurs compétitions. Il y a une compétition U19, il y a une compétition UCL, il y a une compétition U17. Nous avons déjà arrivé avec nous là, nous avons fait toute compétition. Et nous avons mis un petit. Mais est-ce qu'il y a un secret dans ça? Plus, oui, c'est. Ou du moins cette expérience. Ce que c'est un travail, c'est une question de discipline. Discipline dans tout ce qu'on organise. Discipline au niveau du travail, heure de travail, nous fait bien. Le travail terrain, nous fait bien. Le travail avec Dieu, nous fait bien. Et le comité qui ajuste avec nous, le travail de conseil avec nous, il avance avec nous, il avance. Nous sommes capables de dire que nous avons fait. Fin, c'est fin saison, hein. C'est en finale, la culture avec en finale. On a annoncé que nous avons deux équipes, nous avons deux équipes, quand nous avons un tournoi international. Nous avons un tournoi international de la Caraïbe. Actuellement, nous avons un deuxième match, demain, nous avons un troisième match, nous avons qualifié. C'est deux premiers matchs. Et c'est bien. Et la semaine passée, nous sommes en demi-finale. Nous avons la meilleure équipe de la compétition, nous avons un jeu sur le terrain. Non pas en séparation de tir au but. C'est bien si on performance, on est capable de dire que c'est louable pour les joueurs, parce qu'ils sacrifient au jour le jour de l'entraînement, au jour le jour de travailler, à améliorer. On est capable de dire qu'on est capable d'utiliser un pile joueur pendant la saison pour nous capables de s'arriver là. C'est bon, mais ça fait, c'est pas un cadeau, c'est un personne sans fruit de mérité. Alors, il nous est planté que nous arrivons. Alors, contre tout le mauvais, nous avons dit, et travaillons, on travaille de supervision, et on parle de discipline. Ou parler de calendrier qui était bien agencé pour saison 1, mais ou même qui visionnait l'équipe d'Acadie dans les gradins, comment senti la formation de l'équipe? Nous sommes capables de dire que tout le monde a fait un gros travail. En tant que personne responsable direct, parce qu'en tant que nous-mêmes, nous avons fait la planification, l'organisation des entraînements avec Joël, mais la finalité a arrêté dans le même temps qu'à côté Mathieu. Nous sommes capables de dire qu'il y a un joueur qui baisse au niveau de la compétition. Nous savons qu'il y a un qui est baissé, qui monte, mais il y a un qui est progressé. Nous sommes capables de dire que dans ces deux jeunes qui démarrent avec eux, nous avons joué un match, c'est presque 12 sur 12, 15 sur 15, après nous avons chuté, c'est ça en football. Après un moment de faiblesse, qui baisse pour remonter encore, son pyramide brillé. Et puis là, les qui baissent, ils viennent remonter encore. Ils viennent voir un groupe qui est homogène. La mise à niveau pour eux, capable de dire, nous faisons un travail d'arrache-pied. Nous capable de dire, travailler est tellement respecté. Pour le moment, nous lancer dans 11 qui passent assez confortable. Comparativement, l'homme qui démarrer les joueurs, par exemple, Guillaume, ne sont pas joué. Nous sentons des une faiblesse. À partir du travail, ça a fait mise à niveau, nous comme des bizarres. Quelque chose d'élément, on met en défense après d'attaque. D'essayer de faire résultat. Alors, nous sommes capables du tout. Nous avons entré dans le gardien, c'est Gary Romo. Nous avons fait un c'est tout le monde qui a fait un peu de jeu. Jeune gardien, nous avons travaillé avec Gary Romo qui a monté les jeux à venir. Nous avons expérience, mais nous avons dit à partir de là, Gary Romo nous a donné un support exemplaire à partir de faire compétition. Alors, Toto, face à Atletico, ce jeu massacré dans l'estate,
ou pas présent. Et à la dernière minute, nous avons encaissé un goal et tout le monde a demandé pour le directeur technique. Parfois, dans la vie de ça, conseil qu'on a passé positif, qu'on a passé négatif. Et même si on a une discussion avec l'entraîneur après chaque match, nous avons été un petit faiblesse, nous n'avons pas voulu pour nous corriger. Et puis l'entraîneur n'a pas qu'à comprendre le travail. Et puis nous avons dit, bon monsieur, on continue à jouer, reste compétition, gagner le bas là. Nous avons regardé à quel niveau que nous avons pris ça pour nous. C'est fait, et on perd du match, nous corrigeons tout parce que parfois, nos pères sont positifs liés. On va le corriger demain pour qu'on essaye d'être vivable. Et nous corriger ensemble, nous faire table ensemble, travailler avec eux, nous sommes capables de venir, résoudre ça, c'est un résultat. Nous ne pas dire que nous sommes pas la lettre, mais nous ne pouvons pas jouer. Voilà. Donc, coach Toto Beauvais, vous déjà annoncé déjà, c'est déjà un final extraordinaire, nous promettre avec un grand public qui a sûrement nous et dans la demi-finale, nous déplacer au Vini dans Broward de vous supporter qui prend. Donc, et qui ça et comment nous allons parler de ça? Parce que nous connaissons que nous avons un paquet de joueurs qui est dehors tout dans le 19 ans et qui est extrêmement important pour le 23. Nous avons dit, le travail nous fait au niveau de l'équipe de PSL, l'absence de Zataléa, tout le monde est important dans le groupe là. Et tout le monde jouable. Le meilleur des jouables parce que si nous faisons une compétition avec le capitaine de l'équipe là, nous sommes obligés de faire des changements tactiques avec lui. Si on débute comme central, nous sortons comme latéral et puis nous faisons compétition de rentrer comme demi. Je dis encore là, nous avons tellement d'éléments, nous n'avons pas de problème de joueurs. Nous avons une équipe importante qui est vrai, mais nous avons dit tout le monde de même compétence parce que nous avons en plus avec les mises à niveau. C'est-à-dire pour ça qui bat pour monter le sac en l'air. Parce que sinon, on va garder toute l'endurance, on va prendre toute capacité ça pour tout le monde défendre pour l'équipe là avec cœur. Parce que nous-mêmes, il y a une faiblesse technique, bien qu'il y ait une faiblesse physique, et bien à partir de l'entraîneur, nous jouons l'élément qu'il faut à la place qu'il faut, et puis en ce temps, nous doublons la place, il y a une place qui est même triplée. Là, nous faisons X, par exemple, à partir de carton rouge, on va peut-être faire mal. On va essayer de remédier, on va essayer de jouer l'autre monde qui a remplacé. On va dire nous, c'est un travail à encourager, mais sauf que. Ça nous est la communauté haïtienne, nous ne pouvons pas déplacer avec nous. C'est ça, nous avons fait un gros bail comme ça pour la communauté, parce que par ensemble, d'abord la presse en général, parce que nous avons dit bien avec le Delva, le travail pour nous en plus, mais le reste presse, presse traditionnelle, là, nous parlons de présidentiel, parce que nous devons faire une nouvelle, sport, par exemple, presque nous avons parlé du travail dans la communauté. Mais en quelque sorte, c'est au final samedi, mais qui message pour ta carrière pour le grand public, parce que nous sentons, nous manifester présence, surtout dans la demi-finale. Mes agents, c'est accompagner ces messieurs parce que toute communauté, par exemple, agents et latinos en général, depuis que je parle déplacé, fanatique de déplacé, ils permettent que les joueurs soient encouragés. Nous-mêmes, nous avons tout le bagage, c'est sur le public qui a déplacé. Les joueurs ont des talents, ils ont joué bien, et ils ont fait tout le parcours, ils ont remporté des médailles et trophées sous le nom de la communauté haïtienne de Miami. Les communautés nous ne nous pas demandé, puisque ça, c'est présentation, encouragement, nous, pour permettre si nous de continuer de jouer au football. Par exemple, quand on dit dans l'académie, maintenant, nous venons de U8 jusqu'à U23. Ce n'est pas un message à faire. Nous avons besoin d'encouragement, nous avons de participation de tout le monde. Ils sont capables de faire, ils sont capables de bailler, ils vont nous venir, ils vont nous supporter, nous allons être sur eux, et laisser l'absence de l'encadré par le public par eux. Voilà, coach Soto, nous remercions. C'est un plaisir pour te guérir sur ce panel là. C'est moi pour remercier lui parce que moi qui ça que nous avons fait, pour dépasser le cadre du journaliste au niveau du travail ça. Moi c'est au dirigeant, au fanatique, au joueur, pour tout le bagage pour l'équipe, nous avons élément en cours, c'est un élément pour la médaille à part. Nous sommes bien communiqués ensemble. Voilà, nous remercions coach Soto.